cette chose soit accomplie et que ton règne, mon Dieu, et mon Père, c'est dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons dit, sois béni, sois béni, sois béni, voilà, pour tout le monde, tout le monde. Tu veux me tuer ici, il n'y a pas de souci. Le tout-puissant, c'est Jésus. Oui, madame, c'est l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de tout ton corps. Jésus, comment vous faire à Jésus? Il vous transforme intérieurement. Tout est gratuit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donc, ce n'est pas l'évangile où les pasteurs vous disent donnez l'argent, vous serez bénis. Donnez la dîme, vous serez bénis. C'est faux. C'est donner vos cœurs à Jésus. Il va le transformer. Donc, vous lisez-le de vos peines. Il va vous libérer de vos angoisses. Et il mettra dans votre cœur la souffrance de la vie. Vous ne pouvez pas le jamais. C'est le pareil pour vous. Et dimanche, si c'est le pareil pour vous, m'en donnez. C'est pas le pari. Évangile pour l'évangile. Évangile de puissance. C'est là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a aucune religion dans le ciel. Il n'y a aucune religion dans le ciel. Le ciel ne reconnaît personne. Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix. Son sang a coulé. Si vous croyez dans son sacrifice, il vous libère. Il vous libère du poids du péché. Il vous libère des peines. Il vous libère des angoisses. Il vous libère des angoisses. Il est vivant. Jésus est vivant. Il a donné son... Il a donné sa vie. Personne n'a pris de sa vie. Il a donné sa vie volontairement sur le bois de la croix. Si vous croyez dans son sacrifice, vous êtes réconcilié avec lui. Amen. Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment. Il n'y a aucune religion dans le ciel. Que ce soit la religion catholique, protestante, musulmane, le ciel ne reconnaît aucune religion. Dieu n'est pas religieux, il est esprit. Et ce qu'il recherche avant tout, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle à vos cœurs. Amen. Trouver son amour en donnant son fils et mourir à la croix du calvaire. Dieu a donné, il a donné la solution. Jésus est la solution. Pour les hommes, pour tous les hommes, qui que nous sommes, quelle que soit notre religion, il n'y a pas d'appartenance religieuse dans le ciel. Tous, on est des créatures de Dieu et il veut que nous le rencontrions. Le seul chemin, la seule voie qui nous mène à Christ, qui nous mène à Dieu, c'est Christ. Il a donné, il est plus que prophète, c'est un sauveur. Il a donné sa vie sur le bois de la croix et si nous croyons dans son sacrifice, nous avons la paix avec Dieu. Et dans notre cœur, fermant nos yeux aux réalités de ce monde, nous pouvons les ouvrir dans sa présence. Dans sa présence. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il règne d'âge en âge, de génération en génération. Et son règne n'a... Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. De gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Reçois du peu que je trouve à te donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Jésus est vivant, il est la source du salut, c'est la solution donnée à tous les hommes,
Si nous venons à lui d'un cœur repentant, il nous libère du poids du péché. Il nous délivre de toute forme d'angoisse. Il brise les chaînes, il coupe les liens. Si nous sommes condamnés par la médecine, oui, il a le pouvoir de lever la condamnation. Alléluia. Nous passons de la condamnation à la libération. Nous prêchons un message libérateur. Oui, Dieu veut nos cœurs, il ne veut pas notre argent. Contrairement à ce qu'on vous a enseigné, on vous a dit dans vos églisettes là, donnez l'argent, vous serez bénis, donnez l'argent. C'est que les messages qui tournent autour de l'argent. Aucun apôtre dans la Bible n'a prêché ce genre de message. Ils ont annoncé le royaume des cieux. Ils ont prêché la repentance. C'est la seule voie qui nous permet d'expérimenter le salut de Dieu. Il est vivant, il veut nous faire du bien. Il a payé pour notre péché. Quelle que soit la condamnation qui pèse sur nous, il élève, il nous restaure. En Christ, on devient une nouvelle création. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont faites nouvelles et cela vient de Dieu seul. Merci Seigneur. Non, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Jésus guérit, Jésus console, Jésus délivre. Il délivre, il sauve, il rachète. Il rachète. Le rachat a été accompli dans le Christ. Le rachat a été accompli dans le Christ Jésus. Le rachat a été accompli dans le Christ Jésus. Le rachat a été accompli. Charge de transformer nos vies, madame. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant et c'est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. Les prières sont gratuites. Les Bibles, gratuites. Tout est gratuit. On ne vend rien. On ne vend rien. Ce sera en salle, madame. On a pas de Bible à nous aussi. Tout est marqué là. C'est à la salle de fête de la mairie de Ribi. Donne ton cœur, tu seras guéri. Et non, donne ton argent, tu seras béni. Non, c'est donne ton cœur. Si tu donnes ton cœur à Jésus, il soigne ce cœur, il transforme ce cœur. C'est le cœur qui a besoin de faire vraiment une rencontre au réel. Une rencontre au réel avec le Christ. Il est vivant, il nous aime tel que nous sommes. Quel que soit le poids de nos péchés, il nous accepte dans le but de nous rendre comme il est. Il est saint et il veut nous imputer cette nature. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Madame, il n'y a pas de situation désespérée avec le Christ. Il nous accepte tel que nous sommes. Et il veut opérer une œuvre que personne ne peut faire. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse, madame. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, si vous ouvrez votre cœur, il rentre dans votre vie. Et Dieu n'a jamais dit aux gens de devenir des religieux. Quand je travaille, si mon petit travail de la côté, il me donne l'argent pour manger chaque jour. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et garder ma santé. Ça, c'est bien ça. C'est bien d'être reconnaissant pour les choses qu'il fait pour nous. Hein, parce qu'il y en a certains qui sont en colère pour les choses qu'ils demandent à Dieu et ne voient pas. Invitation. Oubliant que Dieu est souverain. Hein, donc s'il ne nous donne pas des choses, on n'a pas à se mettre en colère. Parce que c'est un bon père, il ne peut pas nous donner des pieds. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne me rend pas bien. Oui, ça ne sert à rien de se fâcher contre Dieu. Parce que lui, il sait toutes choses. Il sait ce qui est bon pour nous. Tu comprends? Que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il continue à se révéler à votre cœur. Hein. Oui, merci. Au revoir. Comme Prisca aussi, pour elle est finie. Pardon, c'est petit. Non, c'est bon, c'est bon. C'est tout ce qui veut. Ne change pas. Il est le même. Alléluia. Jésus. Vos cœurs. Adieu. Donnez vos cœurs et Dieu va guérir ce cœur. Il va consoler ce cœur. Il va transformer ce cœur. C'est ça. C'est pas donner l'argent, vous serez bénis. Les matin, ministre a donné l'argent. Hier, on est allé. Vous avez dit que donner l'argent. Sortez l'argent. Tu as vu? Et on impose les gens. Parfois. Sortez l'argent. Oui, sortez l'argent. Parfois, même on ferme la porte. Tu te rends compte? Le pasteur dit que sortez l'argent. Oui, mais il faut qu'il aille travailler. Il faut dire à ce pasteur qu'il doit aller travailler. L'apôtre Paul faisait les tentes. Hein. On peut travailler. Il nous a prêché un passage biblique qu'il faut oui, qu'on c'est donne, comme... que l'on devait donner les dons à Dieu. Oui, pour les femmes veuves avaient donné tout ce qu'elle avait à Dieu. Et on ne doit pas donner. Ouais, c'est des menteurs. Et regarde même ces pasteurs-là. Ils vous disent donner l'argent. Eux-mêmes, ils ne donnent jamais les offrandes. Les offrandes, ils ne donnent pas. Ils sont assis dans leur chair. Ils ne donnent pas l'argent. Ils ne donnent pas les offrandes. Et il dit seulement aux gens, donnez l'argent, vous serez bénis. Non, c'est gratuit. L'évangile, c'est la gratuite. Bonjour, c'est comme si je connaissais cette femme. Oui, mais maman, c'est comme si je vous connais. Tenez ça, je vous connais où comme ça? Maman Fouda,
Cécile Fouda, oui. Oui. Donc on s'était rencontré dans l'église du feu, pasteur Adam. Je suis Georges, oui. Ça va, hein? Mais tu es en France, moi. Oui, je suis en France. Oui, on est venu prêcher l'évangile. Hein. On est venu prêcher l'évangile au Cameroun, l'évangile à gratuité. Oui, elle va bien. Elle est là avec moi. Donc on a pris le pouls un peu, mais ça ne va pas au Cameroun. Les évangiles qui sont devenus comme des entreprises, on est venu apporter notre souffle, une autre vision des choses de Dieu, ou dire que c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Ça fait longtemps. Je sais que vous êtes en Europe. Oui. Donc on est là, on est. Vous êtes en vacances. Oui, non pas en vacances, on est venu en mission. Oui. Donc on avait des missionnaires, ils sont de l'autre côté là-bas. Voilà, c'est la dame. Tu vois la dame, la française là, oui. Et voilà, il y en a un autre. Le frère Philippe, je ne le vois pas. Madame est un décédé. Hein? Aime ton prochain. C'est ça là où je veux dire que tu dois prêcher. Oui, mais madame, écoutez, j'ai fait une assemblée. Madame, j'ai fait une assemblée à Douala. Il y avait des gens qui avaient faim. Le pasteur a demandé qu'on fasse les offrandes deux fois. Il y avait les gens à la. L'Esprit de Dieu m'a amené à prendre le micro, à demander est-ce qu'il y a des gens après cette réunion qui n'auront rien à manger. Il y avait plusieurs familles qui n'avaient rien à manger et le pasteur ne se soucie même pas. Mais quel est ce pasteur qui ne connaît pas ses âmes? Jésus connaissait ses brebis, c'est pas normal. C'est pas normal. J'étais obligé de prendre parce qu'il y a des sœurs. Ma sœur, il y a des sœurs qui m'ont donné. Il y a des sœurs qui nous ont donné de l'argent. C'est facile. Non, c'est pas évident. Il y a des sœurs. Amen, amen. Il y a des sœurs qui nous ont donné de l'argent pour aider les gens en difficulté. Et c'est ça qu'on fait, tu vois. Mais que... Ah oui, donc c'est lequel côté? Après, il y a l'escalier. Oui, ok. Bon, il y a du monde là-bas pour... Donc, pour vous donner, c'est la grande salle de fête de la mairie. Hein. L'évangile, c'est vraiment nous prêchons la gratitude, l'évangile. Le retour des cœurs à Dieu. Tu comprends un peu? C'est pas aller dans un bâtiment. La Bible est claire, cherchez premièrement le royaume et la justice de tout, vous sera donné par-dessus. Mais c'est marqué, madame, vous avez le 24 ou le 25. Donc, vous avez oui. C'est deux jours, maman. Il faut chercher Dieu, tout simplement. Et Dieu est esprit. Dans votre maison, vous pouvez prier, vous pouvez vous retrouver 3, 4, 5 personnes, là où 2, 3 sont assemblées à mon nom, dit Jésus. Et on n'a pas besoin d'aller chercher l'église, parce que c'est nous l'église, en fait. De par la nouvelle naissance, on devient l'église de Christ. Il nous intègre par le Saint-Esprit dans son corps. C'est un corps qui est spirituel. On ne le voit pas. Tu vois? Et puis le partage, ça se fait avec des frères aussi qui ont fait cette expérience-là. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et on va aller de ce côté, si tu veux. Ça revient toujours, oui. Oui. Est-ce que vous croyez que le Seigneur il peut vous guérir? Vous croyez en Dieu? Je crois. Oui, vous qu'il peut agir dans votre vie? Je sais. Oui, voilà, qu'il peut vous libérer. Donc nous, ici, il n'est pas question d'une religion. Nous, on ne présente pas les religions aux gens. Et on ne demande pas non plus aux gens aussi d'aller dans un... d'adhérer à un mouvement quelconque. Hein? Le Seigneur, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc si on emprunte le chemin de Dieu, nous allons trouver la vérité qui rend libre, et nous allons trouver la vie. Hein? La vie, c'est la vie de Dieu. Le Seigneur va nous donner sa nature, il va nous délivrer de la puissance du péché. En Christ, on devient une nouvelle créature, tu vois, et il nous donne sa nature, il nous donne son esprit pour que les mauvais esprits ne viennent plus dans notre corps pour nous troubler. Parce que bon, ça allait un peu de la sorcellerie, madame. Donc je crois que le Seigneur est tout puissant pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Nous allons prier pour vous, en accord avec votre volonté. Pour que le Seigneur vous fasse grâce. François, je peux. Le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne dans ton corps, nous commandons ce. Oui, Seigneur, nous détruisons la puissance de Satan. Seigneur, je détruis la puissance de l'ennemi dans ce corps. Seigneur, que ce corps devienne maintenant le temple de ton esprit, Seigneur. Je brise dans sa vie la puissance de la sorcellerie, Seigneur. Nous brisons la puissance de la sorcellerie dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'il y a des choses qui ont été introduites dans sa vie par voie occulte, que ces choses quittent maintenant son corps. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ta gloire te revienne. Que sa vie soit marquée maintenant dans son et que ce mal disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle garde cette grossesse. Seigneur mon Dieu, mon Père, se conserve en elle, Seigneur.
jusqu'à 9 mois, mon Dieu, mon Père, qu'elle accouche normalement, Seigneur Dieu. Merveilleux, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous brisons les œuvres des ténèbres, que sa vie soit maintenant sous l'ombre de ton esprit, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Fais-la expérimenter ta paix et ta joie. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu as des personnes dans ton cœur que tu n'arrives pas à parler. Tu ne peux pas parler. Donc si tu as vraiment des personnes, parce que Dieu voit nos cœurs, si tu as des personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, pardonne-leur. Tu as compris. Le reste, tu vas voir la vie, tu verras témoigner. Même si nous l'avons déjà voilà, donc il faut pardonner. Voilà, tu vois comment nous on ne te connaît pas. Oui, tu vois, nous on ne te connaît pas. Je te connais pas. Et, mais le Seigneur aussi, il a eu plus mal que nous. Tu vois, à la croix, il a dit oui, maman, il faut pardonner. C'est comme ça. Le pardon est libérateur. Voilà. Seigneur, pardonne, guéris son cœur, Seigneur. Guéris le cœur et donne la capacité, Seigneur, à cette dame de pardonner tous ceux-là qui lui ont fait du mal, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu va vous rendre prospère. Ce que le Seigneur veut, c'est nos cœurs. Hein? Il est question de donner son cœur à Jésus. Alors Jésus va guérir ce cœur. Il va nous guérir des non-pardons, des blessures, des peines, des peurs. Et il va nous mettre l'assurance de la vie éternelle en nous. Donc, et pour les choses de la vie, il dit que ce sont des païens qui recherchent ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout va, vous sera donné par-dessus. Donc, on doit avoir confiance tout simplement dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Donc, et c'est le Seigneur qui fait le reste. Si Dieu veut me donner les biens de la terre pour que j'en jouisse, il va le faire. Mais je ne peux pas être à la course de ces choses. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des sentiments de contentement en Dieu. Tu vois. Donc, le Seigneur nous apprend à nous contenter de ce qu'il nous donne, à lui soit toute, la gloire. C'est le message. On est devenu un peu comme des lieux de commerce. Hein? C'est devenu les commerces. Il n'y a plus des entreprises familiales. Tu vas trouver 5 paniers. Il faut faire tous les 5 paniers là. C'est pas biblique ça. Ce n'est pas biblique. Les gens doivent. On n'est pas contre que les gens puissent donner l'argent. Mais ils doivent donner volontairement, sans contrainte. Donc il ne faut pas forcer les gens à donner quoi que ce soit. C'est avec leur cœur qu'ils doivent faire les choses. Quoi. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu n'est pas dans la religion. La religion ne trompe pas. La religion ne prend plus personne. Alto. Le ciel est plein et merveilleux. Matthieu 11, verset 28, c'est là. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve dans la personne de Christ. Et non dans un bâtiment ni un système d'église. Donnez vos cœurs à Jésus. Il n'est pas question de donner son cœur à un homme, ni à une religion quelconque. Amen. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Quelqu'un dans l'église, la plupart des églises, donnez l'argent pour se réveiller. Non. Et prenez votre cœur à Jésus.
vous les transforme. Il vous transforme. Il amène là le trou, il amène la pleure, les inquiétudes. Et il peut mettre sur vous la vie éternelle en vous. Il donne la paix, la joie. Il est possible. 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 Il ne permet pas à adhérer à un mouvement, à une religion, à un système d'église. Mais il s'appelle tout simplement à marcher avec nous. On dit de nous de chercher premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par lui. Donc le Seigneur veut vous donner, il veut vous combler de ce bienfait. Il est vivant, un Seigneur compatissant. Allez, pour légaliser votre union. Et toi, ma soeur, tu as tout à gagner. Il faut le presser pour que vous alliez devant le maire. Hein? Donc, sans mettre la pression sur la dot, machin, laisser tout ça. Ouais, parce que, en fait, quand une famille accepte un garçon, c'est comme un fils qu'on rajoute à la famille, toi. Et cette histoire-là, aider la famille, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas se résumer qu'à la dot. Hein? Moi, maman m'avait demandé la dot, 4 000 euros, et le Seigneur m'a dit ça. Non, non, non. C'est une compte que tu as sauté. J'ai même voulu négocier un peu pour baisser. 2500, le Seigneur m'a dit c'est une compte que tu peux pas sauter. Dieu m'a. J'ai eu à cœur de faire les présents. Et j'ai posé la question au Seigneur. Je veux les faire les présents. Il m'a dit voilà, donc Dieu m'a donné mon nom. Je les ai fait les présents. Je les ai dit, j'ai appelé ma belle famille en disant que moi, j'ai pas l'argent, je suis jeune. Je rentre dans la vie active. Je ne peux pas payer ces sommes là-bas. Par contre, je vais vous faire un présent. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc je me suis marié. Et eux-mêmes ils ne regrettent pas parce que même ce que j'ai déjà donné à cette famille, c'est plus que la d'autres familles. Tu vois? Et je sais peut-être que c'est moi qui ai fini par intégrer avec moi. Mais mon père, ma belle-mère, donc c'est un fils. Donc il faut vraiment, il faut occuper la voie du Seigneur. Tout à l'heure, tu as gagné à être utile, même ça protège les enfants. Tu vois un peu? Imagine un peu que vous êtes comme ça. Tu vis chez lui, il a construit une maison. Si jamais il décède là, sa famille va te chasser. Hein. Ils vont te prendre les télévisions, tout. Alors que tu es officiellement marié, il ne peut pas rentrer chez toi. Donc, c'est toi qui dois mettre la pression. Si ça, c'est un conseil que je te donne. Quoi. Donc, voilà. Et que le Seigneur vous aide et qu'il vous bénisse. Quoi. Voilà, voilà. Allez, moi, je ne peux pas le mettre parce que c'est un pantalon d'homme. Oui, le pantalon, tu peux toujours le mettre. Non, mais il y a des pantalons dans la Bible. Hein, quand on dit les femmes ne doivent pas mettre les pantalons, il n'y a aucun verset qui dit que le pantalon, c'est un pantalon. Le pantalon, c'est pour les hommes. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui le dit. Jésus mettait une robe. Quand tu lis Apocalypse chapitre 1, verset 18, on le voit en longue robe. Et les rois, à l'époque, ils mettaient des robes. Mais c'est pas. Ah voilà! Il y a des robes de femmes et des robes d'hommes. Il y a des pantalons de femmes et des pantalons d'hommes. Voilà. Oui, c'est comme ça, papa, oui. Non, non, on peut pas passer six mois. Non, six mois. Si moi je mets un pantalon de femme, c'est le travestissement. Et Dieu avait interdit à son peuple, le peuple juif, quand ils rentreront. Mais c'est ce qu'on est. Ça, c'est un pantalon d'homme que vous mettez. Ça, c'est un truc de femme. Non, c'est pas. Sinon, c'est le travestissement. Donc, c'est le travestissement qui est interdit. Les hommes ne peuvent pas porter les habits de femmes et les femmes les habits d'hommes. Donc, il y a des pantalons, il y a des robes de femmes, il y a des robes d'hommes. Voilà. Et la Bible dit. Toutes choses étaient faites par la parole. Toi-même, tu as été créé par la parole. Et tu as besoin de cette parole-là pour ta vie. C'est la parole de Dieu qui change. C'est la parole de Dieu qui transforme. Donc tu as seulement besoin de venir seulement assister à ça. Tu ne vas plus rentrer la même maison. Tu seras transparent. Quand quel Dieu ne marche pas, ta chose peut être Dieu. Le temps peut être difficile. Mais notre Dieu n'est pas Dieu. Il n'est pas difficile. Il a donné son fils Jésus-Christ à la croix pour mourir pour tes péchés, pour que tu sois sauvé. Que tu reçois la vie gratuitement. Quand tu as seulement besoin d'assister à ce avant le péché. L'homme qui a le pouvoir, la capacité de dominer sur la création. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit. Il veut nous donner sa présence. Il veut nous donner sa paix. Il veut nous donner la joie de vivre.
Jésus qui s'aimait à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, pour tout temps de déception, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois rempli de péché ou sans péché, que tu sois religieux, athée, que tu sois homosexuel, bisexuel, transsexuel, hétérosexuel, il t'accepte ce que tu es, quelle que soit ton orientation, et il veut faire de toi une nouvelle création. Parce que la Bible dit qu'en Christ, on devient une nouvelle création. Si me son père. Il veut mettre dans ton cœur l'assurance de la vie. Elle est en Christ. La religion ne sort pas. La religion ne meurt pour personne. C'est Jésus qui a donné sa vie. Si vous répondez à son appel, vous pouvez le rouler. Si vous ne demandez pas l'argent, ce n'est pas l'évangile de votre argent. On vous fait l'argent, mais vous dites non. C'est l'évangile de toi, de ton cœur. Tu seras guéri. La terre appartient à Dieu, donc et en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a établis sur la terre. Quand nous lisons le passage de Matthieu chapitre 5, verset 13, il est dit vous êtes le sel de la terre. Il n'est pas dit vous êtes le sel d'un pays ou d'une ville quelconque. Dans le ciel, il n'y a pas la notion de frontière. Donc la terre appartient à Dieu et nous, en tant que, on est missionnaires, on est ambassadeurs sur la terre et notre mission, c'est de réconcilier les âmes effectivement avec Dieu et non avec une institution quelconque. Quand je parle d'institution, je parle de religion, des religions conventionnelles et puis il y en a des nouvelles qui sont sorties quoi. Vraiment, c'est le message du retour à la parole, du retour à Christ que nous voulons apporter dans cette ville. Voilà, en fait, tu vois, nous, avant de prendre l'avion, comme nous sommes quittés en France, on a essayé de prendre le pouls du pays concernant l'œuvre de Dieu, l'Église, et vraiment le constat est dramatique. Les églises, en fait, les églises ou les lieux où les chrétiens, les enfants de Dieu se rassemblent, qui sont censés être des lieux de rencontre avec Dieu, c'est devenu des entreprises. Hein, des entreprises familiales où on parle de l'argent matin, midi, soir. C'est que les prédications qui tournent autour de l'argent, autour des choses du monde. Hein. Venez à Jésus, vous aurez le visa. Venez à Jésus, vous serez béni. C'est que ça qu'on entend dans l'Église. Mais nous venons dire aux chrétiens et aux chrétiennes que venez donner votre cœur à Jésus. Il va vous le transformer. Les gens, ils ont besoin d'être transformés intérieurement. Et il n'y a que la parole de Dieu qui a le pouvoir et la capacité de le faire. Et c'est gratuit. Jésus a dit, Matthieu 10, verset 7, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais le constat est dramatique. Aujourd'hui, vous entrez dans les églises, priez pour des malades, des gens qui sont affaiblis par la maladie, sont affectés par la souffrance, la pauvreté. On les demande de l'argent. Vous priez pour eux. Jésus n'a jamais demandé l'argent aux gens. On est disciple du Seigneur ou on n'est pas. Un disciple, c'est celui qui marche, qui suit l'enseignement des maîtres. Il est appelé à imiter un maître. Et le maître ici, c'est Christ. Si Jésus n'a pas vendu l'évangile, nous ne devons pas vendre l'évangile. Voilà. Nous voulons dire aux chrétiens qu'ils peuvent venir dans cette, à la salle de fête de la salle de fête de la communauté. Hein, de la communauté. Et bien, donc, de, le 24 et le 25, de 10h, le 24, vendredi 24, de 10h à 13h et de 17h30 à 21h, aussi le 25. Idem pour la journée de 25, de 10h à 13h et de 17h30 à 21h. Donc voilà, ils ne regretteront pas ce choix. Nous ne demandons rien aux gens parce que Jésus n'a rien demandé. Au contraire, il a apporté la consolation. Voilà. Il ne s'est pas servi de son ministère, un peu comme aujourd'hui. Aucun apôtre dans la Bible ne s'est servi de son ministère pour exploiter la misère humaine. Au contraire, ils ont donné. Nous voyons un passage dans le livre de Actes, chapitre 3, où Jésus, l'apôtre Pierre et Jean rentraient dans le temple. Ils se sont butés à un boiteux et ils diront à ce boiteux, ni or ni argent, nous n'avons ce que nous avons, te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Donc tu vois, ils n'ont pas demandé à ce boiteux, ben voilà, si tu veux qu'on prie pour toi, donne-moi de l'argent, comme ça se passe. Voilà. Nous venons dire aux gens que l'évangile de la prospérité, l'évangile de, du commerce, ce n'est pas un évangile qui vient de Dieu. Le Seigneur nous demande de prêcher le royaume des cieux. Il nous demande de prêcher la repentance. Il nous demande de prêcher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, disciple du Seigneur. Si on ne se sanctifie pas, si on ne mène pas une vie sanctifiée, si on ne se met pas à part pour le Seigneur, si on ne quitte pas la vie du monde, le péché, nous allons aller dans le lac de feu.
En fait, on ne peut pas promettre déjà aux gens, venez, vous serez guéris. Parce que nous, quand nous prêchons le royaume, Jésus prêchait le royaume, et parce que les gens avaient foi dans la parole de Dieu, et la parole elle-même, elle guérit. Il envoie la parole, et la parole c'est la parole de Dieu qui guérit. Tu vois, nous, on n'est pas des marchands des miracles. Mais nous croyons à la puissance de la parole. Donc, la parole de Dieu, elle est créatrice. Donc, c'est elle qui fait l'œuvre. Si les gens, ils ont foi dans la parole qui sera prêchée, ben, cette parole sera accompagnée des miracles, et des guérisons, des transformations, des libérations et des conversions. C'est biblique, ça. Tu vois? Mais on ne peut pas d'emblée dire, venez, on n'est pas des charlatans. Venez, vous allez être guéri, vous allez être béni, vous allez... ça ne se passe pas comme ça, en fait. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de le Seigneur est Seigneur, tu es le Dieu de la création. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, que toutes les voix, nous les détruisons, que les voix maintenant soient maintenant anéanties, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cette bouche doit louer le Seigneur. 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 Que la louange de Dieu sorte de cette bouche. Que la louange de Dieu sorte de cette bouche. Que la louange de Dieu sorte de cette bouche. Oh Rabakashara, Tu dois louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas louer le Seigneur. Jésus Christ est ton maître. 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 Que toutes ces voix se taisent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabakashara, Ribabakabashara. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Seigneur, tu nous as mandaté, Seigneur mon Dieu, au Cameroun, Seigneur. Père éternel, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, oh Père. Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui ne ment pas. Seigneur, tu es celui qui ne change pas. Seigneur, Père éternel, Yahweh. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, que cette vie, Seigneur, que la vie, Seigneur mon Dieu. Oh, Rabakashara, Ribobokoboshoro, Ribabakabashara. Oh, Père éternel, que cette vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, soit restaurée. Que cette vie soit restaurée. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, qu'il témoigne, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur. Qu'il témoigne.